C'est un plaisir pour nous accueillir, qu'on y a toujours dans le programme radio sous la télévision. Et t'as ça, tu as annoncé, nous prenons une interview spéciale avec le coordonnateur spécial dans le département d'État pour Haïti, l'ambassadeur Kenneth Metten. Ambassadeur Metten, bienvenue, parmi Ah, merci beaucoup. Hein? C est, c est, ça fait toujours plaisir de venir capable parler, de avec vous. Ambassadeur Metten, nous avons réalisé une interview, dans un moment spécial côté Haïti pour nous organiser... Élections, élections présidentielles, élections législatives législative partielle, et date là c'est 9 octobre 2016. Avec qui avec qui regard, Washington a suivi le processus électoral? Eh bien, Jean connais, et euh, moi, j'étais suis de temps en temps parler sur sujet élections pour pays États-Unis, élections en Haïti, si on important, euh... Pou ki sa? Paske nou ta vle we, Haiti avanse, nou ta reme, euh, gen yon bon jan patenerya ak gouvernman ak pep Haitien. E pou kapab fe patenerya sa, nou bezwen yon prezident, yon gouvernman 100% elu. E pou mwen men, e euh, pou nou men, ou departement d'Etat, nou euh, euh, apresyon En pile, travail qui a été fait pour réaliser l'élection. Moi, j'ai l'impression que le travail euh, jusqu'à présent, de, de rapport euh, tu capable de euh, bien fait. Il y a un travail au gouvernement pour assurer que les problèmes qui ont gain auparavant ne euh, pas reproduit encore. Et nous pouvons le voir. Nou empasyon pou we, uh, eleksyon 9 oktob, Kapvini, mwen tarèm ankoraje tout Haitien ki gen doa, doa vote, souple al vote, al profite de doa uh, ou gen nan na peyi d'Haiti, al vote pou prezident, al vote pou, pou parlementaryo. Ambasade Merten, eske son nouvel lektu de Washington le nou kone ke Au départ, Washington devait y avoir un processus qui picote, ou bien aboutissement, un processus qui était commencé en 2015, avec un deuxième tour, avec deux candidats qui étaient sortis dans l'élection. Et avant, est-ce que c'est une nouvelle lecture de Washington? Pas du tout. Et nous avons toujours euh, supporté la question élection en Haïti. Euh, ça a été dit, c'est vrai nous-mêmes, n'analysons pas nous-mêmes, nous ne pensons pas que refaire élection à partir de zéro, pour nous-mêmes, ce n'était pas nécessaire. Mais, à la fin de l'histoire, ce n'est pas nous-mêmes, ce n'est pas pays États-Unis qui, qui, qui doit prendre décision ça, c'est Moun en Haïti qui, qui doit prendre décision ça, Yoté prend décision ça, nous ne sommes pas d'accord, mais ce n'est pas, pas notre affaire, c'est affaire haïtienne. Euh, Mot clé pour moi-même, c'est nous t'es impatients et, et euh, nous t'es toujours voulu Oui, y a un président élu en Haïti, nous impatients toujours. Nous espérons, nous nous t que pas gagner encore aucun euh, délai dans le processus qui a déroulé, qui, qui a commencé le 9 octobre là. Euh, et et nous-mêmes, nous nous espérons que 7 fevriye kap vini, nou pral gen nouvo prezident elu e gen pil travay kou nou tarame a fe ansam. E denye manan interview kote, banon, ou di ke ou tarame, nou tarame, Washington tarame wè, eleksyon lib ou net e demokratik de oule nan baye Daiti. Eske sa vè dir ke gen eleksyon sil fèt, jan fèt la, Washington kapab pa rukonèt rezultat an? Bon, mpa konen, mpa vle baye spekulasyon, sou kesyon sa. Sakn, euh, Samedi dernier dernière fois, c'est toujours position. Nous, nous t'aimons, oui, nous t'aimons, euh, supporter élections libres, crédibles et transparentes. Et préparatifs qui fait qu'on y jusqu'à présent, nous avons l'impression euh, que euh, KEP fait un bon effort pour une certaine transparence. Moi, bad bravo pour euh, régulier. kwen de pres ke y ap fe regulyaman pou bay un certain transparans pou pep Haitien kapap gen plis konfians nan ki sa yo fe pou prepare eleksyon euh, pou chak sitwen Haitien. Ambasade metten, nan yon not ki soti nan bureau komunikasyon nan Haiti, dok nan pale nasyonal, e prezident Barack Obama te renkontre avek prezident Haitien Joslem Privére toukout nan yon seremoni. E prezident Obama, d'apre not la, di prezident Priver ke ele, realizasyon eleksyon 9 oktob 2016 yo, la bon pou Etasuni, la bon pou Haiti. Ki jan la bon pou Etasuni? Jam te di ou debu, nou pa kapab trawaye ansam ak Haiti ou ansam ak lot peyi ki pou pa gen yon gouvernement ki 100% demokratik. Sa bay nou ampil problem, sa bay nou problem a kongre, sa bay nou problem euh, nan administrasyon, sa bay nou problem legal. Se pou tèt sa, nou tarremen, nou empasyan pou genyen yon prezident elu e pou nou genyen parlement ki 100% komple. E jodi an apri la iti nou bagon prezident ki elu, ki jan... qui j'ensaie entre nous, mêmes Avel, qui j'en ouais, qui j'en ouais, statut, en parlant de président Justin Privert. Oui, non, ce n'est pas pour moi-même et pas pour les États-Unis pour prononcer sur statut, euh, M. Privert. Parce que nous voulons que le Parlement haïtien capable de prendre une position, de ne pas voter sur la question de ça, ce n'est pas pour la communauté internationale. de di, oui, M. X ou M. Y, li men si prezident, li pa prezident. Se pa pou nou men, se pa yon bagay pou nou men. Mè an takè partener, eske jounè joudi yasi genyen yon akor bilateral ant Etats-Unis avèk Haiti, eske nap chita si yon avèl? Bon, mpa konè, nou pokou rive nan sityasyon sa, mpa vle rentre nan kesyon polemik an Haiti, nou genyen bonjou an partenerya ak Un gouvernement qui est en place, dirigé par M. énec Jean-Charles. Nous travaillons bien avec elle, avec tout le ministère. Euh, mais nous t'arrêtons que qu nous un président élu. Je ne pas dire rien contre M. Privert. même qui était venu avec le président Michel Martelly euh, au, au mois de janvier-février janvier -février, euh, à NSA pour achever cet accord politique. Qui, qui a, a diffusé, Simkadi une situation difficile. Mm -hmm. Et moi, je me bravo pour le président Martelly et pour le président Privé aussi. Et de M. Sayot, tu fait un bon, bon bagage pour Haïti. Mais le fait, et, et je crois que M. Privé a dit la même chose, l'IPA n'a pas les nationales. par rezultat d'un eleksyon, li la par rezultat d'un solusyon politik ki nou te salve al epok e ki te yon bon bagay pou Haiti. An nou ki te kesyon politik, kesyon elektoral nan paye d'Haiti, an nou an kesyon imigrasyon. Mm -hmm. E Omeland Security, la pale de Departement de Sécurité Territoriale les Etats-Unis, pren an desisyon pou rekomanser deporter Haitien, kap vive ilegalman, ou gen pkike yon problem avek la justice ki komet ti krim, Et yon yon mèmèk louladon, Aïsè kap soti, et Brésil, an pasan par Mèksik pou antre os Etats-Unis. Et gampil moun ki leve kont desisyon sa, esko kap ap banon ki portè ke sa gen nan mouman sityasyon telman difisyil la peyi d'Aïti? Aïti te pase yon mouman difisyil depi yon sèten peryode, mè honètman, Il euh, faut que nous soyons sur un sujet, c'est que nous avons déporté criminel mm -hmm. vers Haïti depuis, si je si euh, ne me si, si trompe pas, depuis l'année 2011. Mm -hmm. criminel nous avons envoyé petit groupe de, de criminels mm -hmm. vers Haïti. Nous avons négocié ça avec le gouvernement haïtien pour assurer que Mounio capable reçu que gouvernement haïtien conscient c'est qui est-ce qui, qui rentre dans le pays, c'est qui est-ce qui crime messieurs, mesdames, ça a été commis dans le pays des mm -hmm. États-Unis et jusqu'à présent ça marche, à ma connaissance, assez bien. Euh, situation qui t'est produite récemment à San Diego, euh, t'es problématique pour Plusieurs, pour plusieurs raisons. Numéro un, c'est une porte d'entrée côté nous pas n'avons jamais ou Presque aucun Haïtien passait auparavant. Mm -hmm. Pas de monde, pas d'agents immigration qui, qui est capable de créole, qui est capable de communiquer avec Mounsayo. Nous avons euh, une histoire, si vous songez bien, en 2014, nous avons un pile de monde de l'Amérique centrale qui était montée mmh. sur toute cette, euh, cette frontière sud mmh. de euh, États des États-Unis, États 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 -Unis. Mmh. Um, nous étions ouais, et nous es alerté par plusieurs gouvernements de l'Amérique centrale. T'as plusieurs Haïtiens qui capables de monter, qui, qui apparemment d'après information nous gagnons, qui quittaient le Brésil pour monter pays États-Unis. Malereseman, vas majorite moun sayo te ede pa le trafikeur. Moun yo ki kapab trafike jan pou kob, mm -hmm. pou la jan. E se pa bon. M pa kone si ou te li artik nan miyami heral, me sa mm -hmm. te montre jan bay la difisil pou mm -hmm. moun kap monte. Mm -hmm. E mm -hmm. se moun yo mete yo nan peril la, la vi yo an danje. Euh, le yo monte. E Un you know, autre but de changement politique, c'est pour voir un signal au monde, s'il vous plaît, si vous n'avez pas de travail au Brésil, ou plutôt rêtez chita au Brésil, ou plutôt chita en Haïti, pas monter aux États-Unis, c'est dangereux et ce n'est pas légal. Gagnez une méthode légale pour que capable d'effectuer, entrer aux États-Unis légalement. Nous y a un pile de monde qui travaille à l'ambassade à Port-au-Prince pour 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 faire euh, visa immigrants. On que nous fait un pile plus visa immigrants jodia que visa touristes. Mm -hmm. Et on, on connaît que cette réponse-là, c'est pas une bonne réponse pour tout le monde. Mais chaque pays besoin euh, être gain politique, gain, gain politique besoin protéger besoin connaît ki es ki rent nan peyi li. Se ambasade, problem nan se ke e desisyon pren jeudi 22 e septembre 2016 a kelke que semen des eleksyon e li semble ke li taranti jan pren nan mouve mouman. Mkwe ke onetman mka asyre ou ke kesyon eleksyon an Haiti se pa rentre nan diskusyon sa. Mm. Euh, li pa rentre nan fason de tu gagnes un problème. Nous, t'es sûrement euh, plutôt éviter que cette décision soit prise après l'élection en Haïti. Mm -hmm. Mais, nous avons une situation difficile à San Diego. Un euh, euh, poste de, de, de euh, frontière là, c'est plus euh, fréquenté du monde. Mm -hmm. Et, il n'y a pas de capacité de traiter tant de gens d'Haïti, pas de a capable de créole français, etc. Il pas de place pour loger les gens, pour déterminer. Parce que la vaste majorité des gens qui viennent se présenter mm -hmm. à San Diego, il n'y a pas de passeport. Il dit moi-même, c'est Haïtien, je veux rentrer aux États-Unis, je une famille ici. Et au Bayou non, etc., etc. Et. Cetera, et, cetera. et il n'y a pas de capacité pour loger les mm gens -hmm. pendant qu'ils ont traité le dossier. Yo. Mm -hmm. Et ça, c'est risqué par bah un gros problème. Aussi, il y a un certain nombre d'haïtiens qui quitté quitté dans la communauté pour, yon, euh, pour tourner pour une euh, euh, séance o, 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 devant un juge. Mm -hmm. Dans l'entretemps, il y a une communauté de gens San Diego. Encore une fois, il n'y a pas de gens pa gen moun pou reseve yo, pou, pou bay yo mbon recepsyon, pa gen moun ke pa pale ave yo, et cetera, et cetera. Gen men problem tir wana tou, paske pa gen moun pou reseve yo loutro tou. Eben, te gen paket problem nan zon la, e se sa ki te achemine administrasyon Ameriken ver desizyon sa. E nou pratikman rive nan fin program nan ambasade mwen ten. E genye kandida la prezidans, et moun suplis bozil, ki voye yon not by prezident Obama mm -hmm. pou lman del kampe. Eske bon posibilite pou sa fete? Mpa kwe sa. Mwen kwe, mwen certain ke gen moun ki po al etudye let sa, me uh, mwen ka asyre ou ke situasyon nan na fronti ete vreman difisil. Mersi, ambasador Merten, anta pou recevwa e koordinatèr spesyal an depatman d'Etat pou Haiti. Ambasador Kenneth Merten ki te aksepte yon lot fwa anko, repon kèsyon nou. Mwen se Jacques Lamé-Lizère.